Bonjour à tous et à toutes. Et ben voilà, nous voici et cette fois-ci avec la Dégusta Box que je viens de recevoir, que j'étais chercher à mon relais. Voilà. Allez, on est parti. Je l'ouvre parce que je suis vraiment très impatiente de découvrir ce que j'ai reçu, savoir si c'est intéressant ou pas. Donc, je l'ai payé 15,90 € au lieu de 17,90 parce qu'en fait, je l'ai fait livrer dans un relais. Donc, c'est beaucoup plus pratique et puis c'est un petit peu moins cher. Alors, comme toujours, c'est toujours bien emballé hein, avec le papier bulle. Hein. Voilà, je ne regarde pas le menu parce que sinon, c'est plus l'effet surprise. Voilà, avec un petit papier marron. Laissez-vous surprendre. Ben, on va se laisser surprendre. Allons-y, nous allons ouvrir. Allez, encore du papier. C'est parti. Alors, nous avons des crisps dorés à la cardamome. Ce sont des petits pains grillés. Voilà, ça c'est parfait pour mon petit régime que j'ai débuté il n'y a pas très longtemps, le matin. Très bien. Je connais en fait, hein, je connais, mais je connais pas du tout cette marque, donc ce sera l'occasion d'essayer. Voilà, c'est un paquet de 225 grammes. Ensuite, nous avons une bouteille. Alors ça va intéresser quelqu'un. Ça va intéresser quelqu'un qui d'ailleurs nous l'ont même goûté ce soir ou demain. Alors, c'est un rosé framboise. C'est un vin en fin de compte, c'est du vin avec de la framboise. Voilà, donc Véry framboise est issu du mariage entre le vin rosé et la framboise. Et ben, moi j'aime bien, je connais le vin pamplemousse. Voilà, ce sera la framboise. Très bien ça, hein, n'est-ce pas? Allez, encore une bouteille. Alors ça, par contre, c'est, alors ça, c'est Melfort plutôt que le vinaigre. Alors c'est du vinaigre en fait, côté épices, cannelle, cardamome. Du vinaigre en fait, cannelle, car je connais pas du tout. Voilà, côté épices, vinaigre, c'est un genre de vinaigre, mais plus doux que le vinaigre, sans colorant. Donc ça, bah, à tester aussi, on va goûter. Ensuite, on continue. Donc là, allez, je regarde. Là, ce sont des compotes en fait. La Marvita bio, pomme framboise myrtille et j'ai pomme goyave cranberry. Voilà. Des petites compotes. Non, Misty, c'est pas pour toi là. Aujourd'hui, c'est pour moi. Toi, tu as eu ta Miaou Box. Maintenant, c'est pour moi. On ouvre encore une bouteille. Alors. Donc, les compotes, moi, je ne connais pas. Donc, sans sucre ajouté, comme je vous disais, ça passe, hein, ils sont bas. Alors, de l'huile infusée romarin, poisson et légumes grillés, sauce marinade. En fait, c'est pour faire des marinades, pour mettre bah, sur le poisson les légumes grillés. C'est super sympa, ça. Je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà, je vais pouvoir l'essayer. En plus de ça, je suis au régime. Donc, ça tombe très bien. Enfin, je vais dire encore que c'est mais bon. Après, alors là, nous avons des potato chips au vinaigre balsamique. Alors, c'est la marque Marquette, je n'aime pas du tout. Ce sont donc des chips. Voilà. Décidément, Misty, non, c'est pas pour toi, il n'y a rien pour toi, mon bébé. Voilà, donc des chips au vinaigre balsamique. D'accord. 150 grammes. Bon, bah, à essayer. Ensuite, nous avons aloe organique, aloe vera drinks, boisson à l'aloe vera. Ah, super. Citrus, c'est une boisson en fait au citron à l'aloe vera. Organique. Ça, c'est bien. Ça donne plein de vitamines, une petite boisson. Bon. En fait, c'est une boisson ou un sirop? Non, c'est une boisson. C'est une petite boisson. Ok. Bah, je connais pas du tout, donc on va voir hein, ce que ça donne. Mais je pense que je vais aimer. J'aime bien tout ce qui est acidulé, au citron. Ensuite, ah, de la sauce Christian Potier, maître saucier. La sauce trois morilles. Voilà, sauce ben, ajoutée sur le bœuf, le chapon aux pintades, biche ou cerf. Et ravioles fraîches aux chèvres. En fait, je connais déjà, il me semble que je connais cette marque, mais c'était la sauce foie gras. Et là, en fait, c'est la sauce trois morilles. Et ben, on va goûter.
Ça, c'est très sympa. Moi, j'aime bien aussi la morue. Donc, super. Ensuite, nous avons des pâtes torchetti comme un chef de la marque Lustucru. Une boîte de 500 grammes. Des pâtes comme ceci. Je connais pas du tout. Bon, je connais les pâtes, bien sûr. Mais je connais pas du tout cette gamme-là. Torchetti comme un chef. Donc, des petits tortillons, en fait. Voilà, 9 minutes de cuisson, 500 grammes. Oh, ben, c'est pas mal. On va essayer, hein. Donc, je connais pas. Donc, ce sera l'occasion. Ensuite, de la marque Zappetti, une sauce. Alors, c'est poulet rôti en marmite. Une sauce aux herbes de Provence. Voilà, poulet rôti, sauce au poulet rôti. Voilà, c'est pas grave, laisse-le. Je crois qu'il y a quelque chose pour lui, mais non. C'est pas tous les jours pour toi, Miaou Box, ça sera la prochaine fois. Voilà, donc la sauce Zappetti, donc 100% français, poulet français. Voilà, sur des pâtes, bah, ça ira très bien avec les pâtes, voilà. Ça va bien, ça fera un petit repas. Donc, je récapitule. Non, je suis vraiment pas déçue, hein, en fait. Il y a des choses que j'aime bien. Ah oui, il y a les petits bonbons, j'ai vu. Les petits bonbons. Les petits bonbons. Ah oui, il y a mon chat, là. Hey, Mika. Non, Mika, c'est pas pour toi. Désolée, mais là. Alors là, je vais rajouter des petits bonbons. C'est des têtes brûlées. Tête brûlée star, voilà, fourré acide. Des petits bonbons tête brûlée. Bon, il y en a trois. Ok, bon, ça c'est pour goûter, c'est une nouveauté en fait. Alors, donc, récapitulons. Donc, les lustres crus. Donc, ça vaut 1,29€. Ensuite, de toute façon, je vous mettrai les tarifs à la fin de la vidéo et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Ensuite, il y a les chips Dels qui vaut 2,50€. Ensuite, les sauces Christian Potier, 3€. Ensuite, il y a l'huile romarin. Alors, l'huile romarin, elle vaut 2,80€. Ensuite, il y a la sauce Zappetti qui vaut 1,85€. Ensuite, il y a la boisson Aloé. Aloé, la boisson Aloé. Alors, elle vaut 2 euros. Ensuite, il y a les petits pains. Les petits pains qui vaut 1,78 €. Ensuite, il y a le vinaigre. Enfin, ouais, le vinaigre Melfort. Le vinaigre Melfort, je ne vois pas. Si, 1 euro. Ensuite, il y a les petites compotes. Il y en a deux. Alors, Vita Bio, 99 centimes par deux. C'est un peu cher quand même, hein, 99 centimes un seul. C'est un peu cher, mais bon. C'est 100% bio, 100% fruits. Bon, ok. Ensuite, on a le vin à la framboise, 2,99 €. Ok, et puis les petits bonbons. Alors, les petits bonbons, ben, trois têtes brûlées. Moi, ils n'ont pas mis de prix, c'est cadeau en fait. Voilà, donc, ben voilà. Ben, écoutez, je vous mettrai le tarif, la valeur totale. Donc, moi, je l'ai payé 15,90 € parce que je me suis fait livrer dans un relais, donc c'est moins cher. Et puis, ben, on va goûter tout ça. Donc, la dernière fois de la box, la dernière box. Les produits étaient très bons, on n'a pas été déçus, vraiment, tout ce qu'on avait reçu, impeccable. Et ben voilà, puis derrière là, il y a une recette en fait, une recette torchetti aux crevettes et gambas à l'orange, et puis aussi une recette avec les petits pains grillés Crispol dorés à la cardamome, avec une petite recette, deux recettes en fait, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était super sympa d'avoir découvert avec vous. Ça fait l'effet surprise. J'aime beaucoup les surprises. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Il y a plein de conseils, plein de petites choses, notamment sur le dressage des chiens, sur les coiffures, la beauté. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bisous!